C'est donc parti pour l'édition 2014 YETD, puisque depuis 2003 maintenant, tous les deux ans, Scania organise au niveau européen ce concours destiné aux jeunes conducteurs de poids lourds âgés de moins de 35 ans et qui consiste en fait à mesurer les performances de chacun d'entre eux et chacun d'entre une d'ailleurs sur des épreuves à la fois pratiques et théoriques. Depuis 2003, nous faisons régulièrement évoluer ce concours, pas dans le fond parce que l'idée est toujours la même, mais sur la forme. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on essaye de coller au maximum au type d'épreuve que le ou la concurrente française représentant la France retrouvera à la finale européenne en Suède en avril 2015, mais aussi parce que certains d'entre eux sont présents d'une édition sur l'autre. Et il convient évidemment d'adapter et de différencier un petit peu les épreuves entre elles. Il n'y a pas l'embout pour faire le niveau d'huile. De kg de tombée, une petite consommation de 40 et puis SDS 97, pas super. J'aurais bien voulu faire mieux, mais enfin bon. Très technique, très très technique. Alors on peut noter évidemment la présence de Stéphane Lacombe qui a le courage de remettre son titre en jeu puisque Stéphane d'abord s'est présenté trois fois aux épreuves françaises mais surtout a été sélectionné comme étant le jeune conducteur de l'année 2012 et a représenté dignement la France lors de la finale européenne puisqu'il a terminé troisième, une place tout à fait méritée et aussi une très très belle performance. Oui, cette année je remets le titre en jeu, bon, ben, c'est reparti pour une nouvelle édition d'YETD. Donc, eh ben, ma foi, que le meilleur gagne. Lors de ces épreuves, bien sûr, il y a des épreuves théoriques et pratiques. Et dans les épreuves pratiques, on retrouve une épreuve de conduite économique qui permet d'utiliser tous les appareils à l'heure actuelle disponibles sur les poids lourds modernes, comme le Scania Driver Support, qui permet d'avoir une évaluation en temps réel de sa conduite, assortie de conseils, mais aussi du Scania Active Prediction, qui analyse en temps réel le profil de la route pour conseiller et influencer directement sur le rapport et la position de la pédale d'accélérateur. En fait, à travers ce concours, on veut aussi s'adresser à l'ensemble des conducteurs et pas seulement ceux qui participent, mais leur rappeler que la conduite des camions, c'est un ensemble de fonctions, du contrôle avant départ, au respect des autres sur la route, au respect de l'environnement, au respect de la sécurité et aussi de la conduite rationnelle.